Angalia wa vijana wakuraji wako hapa, hapa ni kukarumpwe ka Kanyamubingwa, injo antre ya kupanda ndumba. Bo ndumba ile pale yulu yangu, hii migomba yote mko naona naye alishamo wa vijana. Je, nilikuwa naomba kwenu viongozi, ile matrupe yote yenye iko kule ya APDC, FPDC, sijue kama maimai vitu gani, ile matrupe yote viongozi, unisaidie, unisaidie mu oui, munisaidie kabisa. Hii mamilima yote imuko munaona huku ni ya pembeni pembeni na adui, adui iko kwa ile milima ya kule. Mjikaze mufukuze zile matrupe zote, tukie tujenge hapa, tukabe hii mamilima yote, hii mamilima yote kabisa ya pembeni pembeni na adui, tuone kama population kama mimi itarudia muhimu ngini yetu. Ejisikie ko aleze ne kama niko na vijana wa patriote valijite valijitoea inchi. Eh, angalia ngizi mwingine yote COVID na hakuna adui mwenye iko kamemi. Maventure tu zenye wako nafanya kule na kusumbua population, munisaidie kweli, munisaidie kwa kweli, muangalie mwingine yote hapa sai, adui haiko, tukatie zile maforce zetu zote mwai barabara na tunajenge mamilima. Eh, adui yepe katajitosha na shasha kunakuwa liberi. Angalia ni boga tu ya bure, angalia barabara yote COVID. Huko nye niko naenda nje huko trupe zangu zingine zinafunga kule mbele. Rema, hii ni mambo ya haya kweli wakongomani, hii ni mambo ya haya, tushikazi kweli, tufungule barabara. Mie nililala huko Nyamubingwa ati huko kumutoni, njo nililalisha babiana, niko nenda angalia kwenye balilala wamelamukia kupima shtula adui, adui juu ya boga nafunga sefa ajivi hata na risasi moya. Wakuu viongozi, mufikirie kwa hii jambo kweli. Mie kwangu vrema hainifurahishe, tulijitowea kukuyapiga adui, tukasema kama tunajitolea hii nchi tuigombole, tuitoshe mikono ya wajambazi. Lakini nasi tunende kala njo pamwana kwa populasio iko nakimbilia, tunakosa kama ni populasio njo iko nakimbia, kama nisema jeshi vrema vakuu viongozi kwa kunisaidia na kwa kusaidia wakongomani wote. Na wa viongozi muambie wote, hii migomba yote COVID hakuna adui, ile ma trupe yote ikakuye inatia nguvu fasi moya kameme, tutafanya kitu kya kufurahisha na tunaweza kujenga hii mwingine yetu. Hii ni Nyamubingwa yote nyuko naangalia, ni barabara Sake Verminova. Verminova. Na kusoma kiongozi wa kangu. Sinishituke na faiziaka nani kidogo nyuma yako. Unasomeka, subiri ni arifu watoto wako nyuma, kwani wasikushtuke, juu mimi niko naendelea huko kungambo za maji, huku mbele mbele ya magoma huku, ndio kwenye niko najielekeza. Na tatuma kijana aende awaarifu kama nyuma kwangu kunataka piga shindo wasishtuki. Nasomeka kiongozi wa kwangu. Okay. Wende ambia wale wako pale chumfa. Bonjour les dames et messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs sur Congo Live Télévision, de partout où vous nous suivez. Nous vous disons merci de votre fidélité. Bienvenue à suivre ce nouveau numéro de ce samedi 24 février 2024 en direct de la ville de Goma. Monsieur David Mbi est notre invité. Monsieur David, bienvenue et bonjour une fois de plus. Oui, je suis tout de même Mouzalendou. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à tout le monde qui nous suit.
à ce niveau. Comment vous allez, monsieur? Nous allons très très bien, et Goma est très bien, et dans l'alcalmie totale, même dans la cité de Sake, et même du côté de Kibumba là-bas, nous allons très très bien. Nos gens de Bazalendu, les Ouazalendu, s'il vous plaît, et nos militaires s'en chargent avec ces gens-là. Je rappelle ici présent que vous êtes aussi Mouzalendo, basé à l'est de la République, vous qui faites face aux rebelles du M23. Justement. On va discuter de plusieurs sujets d'actualité à ce qui concerne l'ouest de la République. Mais parlez-nous-en un peu. Les Ouazalendo, leur force, est-ce qu'ils existent jusqu'à présent aux lignes de front? Aïe. Si les Ouazalendo existent sur les lignes de front, papa, si tu n'existais pas sur les lignes de front, tu n'allais pas être ici. Nous sommes là et nous resterons toujours là où nous sommes. Et nous allons... D'ailleurs, je vous avais dit la fois passée. Qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit que, monsieur le journaliste, il y a quelques temps, nous allons chasser ce genre-là. Mais nous voulons d'abord le saccager dans un moulin et puis le broyer. Et après, nous allons le chasser. C'est ça, monsieur le journaliste. Nous existons partout, là où les lignes de front existent. Depuis que les rebelles du M23 ont commencé les hostilités face aux Ouazalendo, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut noter? Est-ce qu'ils ont la même force ou ils ont diminué la force? Et si ce n'est pas comme ça, quel est le cas? Seigneur, s'ils avaient la force qu'ils avaient avant, même la France 24, la RFI, le BBC et autres choses, radio là que vous connaissez et télévision que vous connaissez, à le chanter dans le monde partout. Les M23, les M23. Mais moi, je suis en train d'écouter même la radio, RFI, BBC, tout ça. Ils ne parlent plus des M23, des attaques des M23. Je me pose aussi la question, est-ce que ces gens-là, ils ont la même force qu'ils avaient avant? Ma réponse est ceci, parce que je suis sur les fronts, hein. Ma réponse est ceci. Ils sont en train de disparaître, ces gens-là. Je vous dis franchement. Dans les territoires de Massissi, dans les territoires de Rutshuru, mais également dans les territoires de Nyiragongo, monsieur David Mouzalendo, dis-nous, est-ce que les rebelles du M23 occupent la totalité de ces territoires? Si ce n'est pas comme ça, qu'est-ce qu'on peut retenir réellement? Parce que certaines personnes nous affirment que tous les Rutshuru se trouve sous occupation du M23. D'autres, il faut savoir que le Massissi se trouve sous occupation du M23 et d'autres, le Nyiragongo, tout Nyiragongo se trouve sous occupation du M23. Pouvez-vous nous clarifier sur cela, où se situe, où se trouve le M23 et si réellement, est-ce qu'ils occupent la totalité de ce territoire? Ok. Certaines personnes, monsieur le journaliste, ce certaines personnes-là sont qui? Sont des M23. Le personne envoyé M23. Alors, avec eux, qu'est-ce que vous pouvez vous attendre comme information? Ils peuvent seulement vous mentir. C'est ça, donc, l'article de M23, c'est mentir la population, premièrement. Alors, ce que je peux vous dire pour la confirmation, le M23 occupe, ok, ils occupent une moitié du territoire de Massissi, une moitié du territoire de Rutshuru et une moitié du territoire de Nyiragongo. C'est ça, c'est pas la totalité. Mais quelqu'un qui te dit, non, ils ont occupé la totalité de Rutshuru, non, je vous dis, je peux vous donner même des cités qui ne sont pas occupées par le M23. Avec la cité de Sake, par exemple, c'est dans le Massis. Mais alors, est-ce que c'est occupé par le M23? Mais non. Est-ce que Massissi Centre, est-ce que c'est occupé par M23? Mais non. Alors, avec ça, il y a les gens qui disent « Non, les M23 ont déjà occupé partout là les trois territoires. » Non, ce sont ces gens-là de M23 qui veulent un dialogue entre quoi? Les M23 et le gouvernement. Alors, pour nous, les Ouazalendu, nous connaissons leur piège qu'ils tentent en train de dire à la population. Mais nous connaissons ce que nous allons en finir avec ces gens d'ici peu de temps. Ça, je vous dis, franchement, journaliste. Vous, les Ouazalendo, entre discuter et continuer à faire la guerre, qu'est-ce que vous envisagez plus pour le rétablissement de la paix à l'est de la République? En réalité, monsieur le journaliste, on ne fait pas, donc on ne peut jamais faire le dialogue avec quelqu'un de M23. Ce sont des Rwandais,
Ce sont les Américains, ce sont les Occidentaux qui veulent quelque chose. C'est ce que je vous dis souvent. Je peux te donner un exemple. Quand Paul Kagame était dans le maquis au niveau de quoi de, c'était où? Quel pays là-bas? En Ouganda. OK. Il attaquait quoi? Habyarimana. Chaque fois, il attaquait Habyarimana. À chaque fois, il attaquait Habyarimana. Et ils allaient où c'est? Pour le dialogue. En allant au dialogue, mais on l'avait abattu, non? Est-ce que vous connaissez ça? Avec ça, qu'est-ce qu'ils voulaient, ces gens-là? Ils voulaient ce pays. Alors, quand quelqu'un veut ta tête, vous voulez dialoguer avec lui. Là, vous voulez quoi? Vous voulez ta mort? Ta mort, peut-être. Hein? Si tu veux ta mort, OK, tu peux dialoguer, monsieur le président. Ne dialogue jamais avec ces gens. Ils veulent nos matériels, ils veulent nos matières plutôt, ils veulent quoi? Notre pays, ils veulent... Donc tout, ici chez nous, c'est un paradis. Et quand vous voulez que non, nous puissions dialoguer avec eux, ils vont nous ravir. Alors nous, les Ouazalendou, nous commençons à vous dire que, monsieur le président, n'osez pas. Ces histoires-là des Américains, des Rwandais, oh, nous voulons les dialogues, c'est faux. Et d'ailleurs, vous voulez laisser le temps pour s'organiser et autre chose. Ce n'est pas bon de le laisser le temps. Il fallait le frapper directement. Donnez-nous autre que vous nous aviez donné. On va le frapper dans moins de 15 secondes. C'est ça, monsieur le journaliste. Dites-nous, les Ouazalendo, votre détermination et votre force, surtout. D'où est-ce que vous tirez votre force? Notre force... Au-delà de votre détermination, mais, votre force. Messieurs les journalistes, notre force, c'est la patrie. Quand tu vois quelqu'un qui veut te ravir ta patrie, mais c'est ça ta force. Et crois que non, s'ils veulent nous ravir, on va baisser le bras, tout ça. Non, c'est ça, ils nous donnent maintenant la force. Avec ça, on ne peut pas les laisser faire encore. Ce qu'ils avaient fait à l'époque de Kabila, à l'époque de Afdel, non, on ne peut plus les laisser faire ça. Maintenant, notre force, la faiblesse qu'ils avaient considérée avant, ça devient maintenant aujourd'hui notre force. Alors nous allons nous attaquer à eux. Donc ils s'attendent. La guerre, donc cette guerre ici, ça va surpasser même la guerre de Palestine et l'Israël. Parce que c'est à tout le temps où je veux voir un Rwandais, je veux voir que non, ce monsieur veut me ravir mon pays. Alors avec ça, moi je suis déterminé et les autres sont déterminés pour ça. Alors messieurs les journalistes, il ne faut pas dire non, on va dialoguer. Pas question de dialogue. Êtes-vous confiant que vous allez remporter la victoire face à cette guerre? Mais nous sommes en train de remporter la victoire. Quand quelqu'un vient avec les Américains, que les gens croyaient que les Américains n'aimeraient pas. Mais je t'avais dit qu'on a commencé à tuer les Américains ici, non? Hein? Les Français, on a commencé à les tuer ici. Mais avant, on croyait que non, ces gens ici ne meurent pas. Mais on les tue aujourd'hui. Alors, avec ça, quelqu'un vit avec les Américains, il vit avec les Français, les Anglais et autres, les Polonais maintenant là-bas et autres. Maintenant, mais la RDC en tant que pays uni et déterminé, nous sommes en train de les battre. Je vous dis franchement, nous sommes en train de les battre. Parlant du gouvernement congolais en soi, est-ce que le gouvernement congolais se soucie de la guerre à l'est de la République? Aïe. Avec ça, avant, je te donne une histoire, petite histoire. Avant, c'était à l'époque de Joseph Kabila, 2018, en descendant vers 2005. Il y avait de Maïmaï, aujourd'hui qu'on appelle Bazalem. Avant, il y avait de Maïmaï, aujourd'hui Bazalem. Ces gens-là, Kabila les voyait, il les tuait. Tu connaissais le pourquoi? C'est parce que ce sont ces gens-là qui s'occupaient de leur terre. Parce que chez moi je connais que c'est ici chez moi. D'accord? Alors, je dois protéger mon pays. Et alors, je ne peux pas faire du n'importe quoi à mon pays. Alors, avec ça, avec cette détermination, le gouvernement de la fois passée ne dotait même pas quelque chose à ces gens-là qu'on appelait quoi? Le Maïmaï. Il ne faisait rien à ces gens-là. Mais ce gouvernement d'aujourd'hui, qu'on appelle le gouvernement des Ouazalendou, est-ce que c'est déterminé ou bien ce n'est pas déterminé, ce gouvernement-là? Le gouvernement est plus que déterminé pour en finir avec cette guerre. Alors avec ça, si tu dis non, le gouvernement n'est pas déterminé... Oh. Il allait nous abattre, nous tous ici.
Nous, avec les M23. On va dépasser à la préoccupation des États-Unis face à la situation de l'Est de la République qui a dit autre chose pour une énième fois. Est-ce que le FARDC ou l'armée congolaise présentement possède de matériel approprié pour faire la guerre face au M23? Présentement. Présentement. Ah, monsieur le journaliste, moi, je te ris parfois. Et parfois, avec tes questions, j'ai compris que tu te pièges aussi. Avant, vous disiez quoi? Non, le M23, c'est un groupe rebelle. Oh, le M23, c'est... Mais tout un gouvernement, c'est une question que tu viens de poser. Si le gouvernement congolais possède le matériel, hein, pour battre quoi? Ah, là, tu as compris que ce n'est pas les rebelles qui sont là-bas, mais ce sont les Américains, ce sont les Français, ce sont les Polonais. Tu vois? Mais avec ça, j'ai compris maintenant. Avec vos questions, j'étais dans... Si c'est un RFI, si c'est à quoi? Il y a une autre question pareille. Et je lui ai dit, non, vous acceptez maintenant que c'était vous qui nous attaquiez. Donc, on a compris que vous aussi, même les journalistes, vous comprenez que... Mais je vous dis... Je vous réponds d'abord, je vous réponds. Le gouvernement a du matériel et est déterminé. Je vous dis franchement. Si ce gouvernement-là n'avait pas ce matériel, mais Goma allait tomber facilement. Mais où est-ce que nous sommes? Tu ne voyais pas même les Sukhoi. Tu ne voyais pas même les drones. Bon, peut-être tu ne voyais pas les drones. Allez demander aux gens de M23. Ils vont te dire comment ils sont morts là-bas. Comme les mouches, comme des sauterelles. Mais monsieur le journaliste, qu'est-ce que tu me poses comme question? Un gouvernement responsable est toujours capable de défendre son peuple. Ça, je vous dis. Monsieur David, je rappelle bel et bien que nous sommes en direct de la ville de Goma, sur Congo Live Télévision. D'accord. Une question est de savoir si d'autres forces partenaires à la RDC, celles qui sont venues pour faire la guerre, notamment l'EAC qui a échoué, que vous avez qualifié ainsi, il y a la SADC, il y a les instructeurs roumains et d'autres partenaires comme le Burundi, s'ils ne seraient pas là, les M23 seraient déjà à Goma. Est-ce que vous le confirmez? Est-ce que tu peux reprendre cette question? La question est de savoir, c'est grâce à la MONUSCO, à la SADC et d'autres personnes que Goma n'était pas tombé. Est-ce que c'est vrai? Ah! Quand tu me cites, il fallait me citer autre chose que la MONUSCO. Pourquoi? Tu as tout tué. La MONUSCO, tu as commencé par EAC, tu as tué. Tu as commencé, tu as cité aussi quoi? La MONUSCO. Je t'ai déjà dit ceci, monsieur le journaliste. Quand tu m'expliques tes choses, il fallait me dire seulement le Burundais, tes amis, hein, votre ami, pays, ami, Burundais, là je peux comprendre. L'Ouganda. Mais, l'Ouganda. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est un serpent. Ça, c'est un serpent. Je vous dis, non. J'ai des tas. Les Ouazalendo que vous êtes, écoute, et les FARDC ne seraient pas capables de protéger Goma eux-mêmes. Papa, nous, les Ouazalendo, depuis notre enfance, ok, depuis notre enfance, on s'est toujours bâti avec les Rwandais, les Américains, les Ougandais et autres choses. Depuis notre enfance, jusqu'à ce que j'ai commencé à vieillir, c'est parce qu'on m'a coiffé, j'ai changé le visage. Mais quand même, depuis notre enfance, on défend ce pays. On défend, c'est parce que Kabila avait signé des mafias. Mais avec ça, non, monsieur le journaliste, on ne peut pas accepter, je vous dis, franchement, nous serons avec ces gens-là et nous allons le battre. Mais quand tu dis la MONUSCO a aidé le gouvernement congolais, je te dis non. Je répète encore, monsieur le journaliste, on avait chassé les M23 plus de 15 km de Kimoka, la cité de Sake, Kimoka jusqu'à 15 km. On avait tué ces gens-là. Mais derrière nous, à la base de la MONUSCO, ces gens sont quittés de là. Ils sont venus faire quoi? Oh, on a dit débordement. Est-ce que ce sont les Rwandais qui sont capables de déborder seulement? C'est ça que tu crois? Avec les drones que nous avons, le matériel que nous avons. Mais non, la MONUSCO est complice. Tu as compris? Alors, les quoi? Les AC que tu as cités, complice. On se battait avec les AC. Hein? Il fallait comprendre ça. Bon, peut-être tu n'étais pas ici. Parce que les AC kenyans, ils aidaient les M23 là-bas.
Les Rwandais entraient quand elles le voyaient. Le message que Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, a lancé à l'égard à tous les Wazalendo qui sont en train de mourir pour leur patrie. Il a dit ceci, les Wazalendo sont déjà à respecter, sont déjà à honorer, ce sont de braves jeunes. Comment est-ce que vous, personnellement, vous avez réussi ce message? Non, ça m'a réjoui. C'est ce que j'ai commencé à te dire, que le premier Mousalendo de la RDC, c'est qui? C'est le chef de l'État. C'est lui qui nous avait encouragés. Il nous avait dit, non, mes chers amis, vous ne pouvez pas aller à l'école ou bien aller faire quoi que ce soit, alors que votre pays est en train de partir. Regroupez-vous dans de petits groupes et essayons de voir ces gens ici. D'où vient ce genre? Et alors, avec ça, nous nous sommes mis au travail. Et jusqu'à maintenant. Alors, quand il est en train de reconnaître tout ce qu'il avait promis aux Wazalendo. Et nous savons qu'un jour, les Wazalendo seront comme autre chose. Autre chose, tu sais, c'est quoi? Les Wagner, par exemple. On sera le Wagner de la RDC. Là, quand vous nous appelez les Wazalendo, demain ou après-demain, on va nous appeler dans d'autres pays. Les Wagner de la RDC, venez nous aider pour tuer ces gens ici. Les États-Unis ont arrêté l'assistance militaire au RDF, c'est-à-dire à l'armée rwandaise. L'ambassadrice des États-Unis en RDC a déclaré ceci après une rencontre avec le gouverneur de la province sur Nord Kivu. Nous avons arrêté l'assistance militaire au Rwanda. Les États-Unis ne soutiennent pas l'armée rwandaise. Nous ne lui fournissons pas d'armes ni d'équipement, a déclaré la Sitailam, USA ambassadrice. Madame l'ambassadrice, avant que les journalistes me posent même la question, je veux te dire ceci, madame la journaliste. Madame l'ambassadrice. L'ambassadrice Pliton, tu es hypocrite. Quand tu dis vous aviez stoppé, donc vous donniez, l'ambassadrice a accepté. Oh Seigneur, Dieu est bon parfois. Hein? Il faut travailler avec les Wazalendo pour être ni. Elle a montré sa nudité. L'ambassadrice a montré sa nudité en disant quoi? On a stoppé. Donc, il donnait des aides. Alors, est-ce qu'en réalité, ils ont stoppé ça? Je vous dis non. Et encore non. Parce que avant-hier ou bien hier, que j'ai suivi dans des réseaux sociaux à une autre chaîne, je pense, hein, où on disait que non, les Rwandais représentaient quoi? Les minéraux et autre chose. Bon, est-ce que le Rwanda, monsieur le journaliste, c'était de grands forums. Ok, les grands forums. Ok. Amener ses richesses, ok, d'accord. Sol et sous-sol. D'accord. Le Rwanda a quel minéraux? Sauf les sables que nous utilisons ici. C'est par là même. Et les patates douces. C'est par là même qu'on veut. Vous connaissez les patates douces? Les bijoumba. La collaboration de l'Union européenne. Le Rwanda a les sables et les patates douces. Seulement. La collaboration de l'Union européenne et le Rwanda. Vous, comme Mousalendo, comment vous qualifiez cela? La collaboration entre l'Union européenne et des traitements de minéraux et le Rwanda. C'est ce que je voulais vous dire. Madame l'ambassadrice, nous connaissons vos jeux. Tous ces jeux que vous jouez contre cette République, ça va tourner contre vous. Ça, je vous dis en tant qu'un vrai Mousalendo, en tant que patriote. Tous ces jeux que vous jouez contre cette République, ça va tourner contre vous un jour. Et vous allez manquer par où entrer dans ce pays. Madame l'ambassadrice, même si vous nous mentez que vous aviez stoppé, nous connaissons que vous voulez seulement des vols. Vous voulez que les Rwandais puissent venir voler les minéraux ici et ils vous donnent ça gratuitement. Ça, je vous dis ça en tant que qui? En tant que patriote. Vous volez et les Rwandais vous donnent. Et vous vous donnez quoi? Les armes pour tuer qui? Les Congolais. Alors, tuer les Congolais, mais un jour, toi l'ambassadrice, dans votre corps, tu coules aussi le sang rouge. Un jour, tu verras aussi. Corné Nanga, c'est rien, c'est un vaurien. On continue. On sera en train de finir. Oui. Corné Nanga,
qui est nommé à la tête du M23. Il a été aperçu dans la forêt en train de porter les tenues militaires. Une première question, est-ce que Corneille Nangaa est militaire? Et une deuxième question, ça signifie que c'est une affaire interne lorsqu'il y a des enfants à la tête, des enfants du pays à la tête du rébellion. Là, tu as déjà répondu. Je vous dis, le blanc se croit être intelligent plus que le noir. Il croit que nous sommes le foutron, les cancrelats, les mouches. Ok. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Monsieur Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, le président de la République, le premier Muzalendo, il a fait quoi? Il a dit non, ce groupe ici, parce que ce groupe M23, il ne veut pas quoi? La paix avec moi. Et d'ailleurs, ce groupe ici tue ma population. Avec ça, non, non, je ne peux pas continuer avec eux. Alors, qu'est-ce que le président de la République a dit? Il a dit non, non. Ce groupe, je le qualifie comme un groupe terroriste. Est-ce que vous étiez au courant? Le groupe M23, c'est un groupe terroriste. Alors, avec ce groupe terroriste, le chef de l'État avait dit, partout dans le monde, on n'a jamais négocié avec un groupe terroriste, partout dans le monde. Ce sont les Américains d'ailleurs qui tuent quoi? S'ils vous appellent quoi, terroriste? On vous tue? Ok. Mais aujourd'hui, comme ils croient que nous, les Noirs, nous sommes toujours les cancrelats, on n'est pas intelligents, ils viennent, ils disent non, non, vous devez dialoguer avec ces groupes terroristes. Mais vous aviez fabriqué les terroristes au Sahel et autres, les Américains et les Français. Et vous aviez dit, plus question de dialoguer avec quoi? Les terroristes, on tue les terroristes. Il n'y a pas de prison de terroristes dans le monde. Mais aujourd'hui, on oblige quoi? La RDC de dialoguer avec les groupes terroristes M23. Vous croyez? Vous me voyez là-bas? Maintenant, le chef de l'État est resté lui seul. Et en disant ceci, je ne peux jamais collaborer et dialoguer avec ces groupes terroristes. On finit avec et comme le blanc, hein, ils se croyaient qu'ils étaient intelligents, ils ont fabriqué les Nangaa. Ce sont les Américains qui ont fabriqué les Nangaa. Hein? Monsieur le journaliste, mais vous êtes au courant, non? Les Nangaa quittaient d'où? Du Kenya. Je ne suis pas... Ils sont venus du Kenya. Kenya, il a porté quoi? Les tennis, c'est un militaire. Est-ce que le militaire? Mais ce que je peux vous dire, messieurs les journalistes, le M23 est en train de disparaître. Et je comprends maintenant que le chef de l'État veut dire, je ne veux pas que ce problème puisse se terminer vite. Il faut couper les racines. J'ai compris que c'est un Muzalendo. Et c'est une bonne chose, il faut couper les racines des Nangaa et les Américains, couper. Monsieur David, on finit un mot pour le Muzalendo. Un mot. Un mot. Un mot. Si c'est un mot, je vous aime. Parce que moi aussi, je suis Muzalendo. Soyez toujours très fort et combattons pour notre pays jusqu'à la mort. Merci, c'est ça notre numéro, devise. Merci votre numéro pour finir, monsieur David. Plus 243 9 73 92 25 63. Donc, plus 243 9 73 92 25 73 à la fin. Merci les dames et messieurs, nous vous disons